I am Batman! Techniquement, c'est toujours notre lune de miel, Barbara. On devrait être sur la plage. En amoureux. Les îles tropicales ne font pas le poids, franchement. Face à un centre d'élimination des déchets à infiltrer. C'est vraiment hilarant. Désolée. Système d'alarme désactivé. À toi. Je suis à l'intérieur. Et pas sur la plage. Écoute, si tu crois que ça me fait plaisir, mes double faces s'est évadées. Et ça, c'est un cas prioritaire. Ça dépend si la plage est loin ou pas. On doit absolument le neutraliser, Tim. Ouais. Et pour de bon, cette fois. Ok. On a quoi sous les yeux? Je ne vois pas beaucoup de déchets traités par ici. Ils blanchissent de l'argent. Beaucoup d'argent. Surveillance? Assez pour m'occuper. Fais attention à toi. Les choses ont changé. Tu n'as plus personne. Tu veux déjà divorcer? Ce n'est pas ce que je... T'en fais pas, Barbara. Je m'en occupe. D'où il sort ce pactole? Le GCPD avait tout réquisitionné, non? C'est ce qu'il croyait. Pendant que Batman et le beau gosse faisaient les andouilles à Gotham, on s'en est pris aux banques de plein d'étonnes. Énorme. Cette fois, personne ne nous arrêtera. Bien le bonjour les Anxios, et le dernier épisode de la saga Batman Arkham Knight. Nous y sommes. C'est la dernière fois que je commande un épisode. Que je commente un épisode intitulé Batman Arkham. En attendant le prochain jeu. Qui, je l'espère, ne sera pas un Batman Arkham. J'en ai parlé lors du dernier épisode. J'aimerais bien qu'il y ait une refonte totale et un reboot total des jeux vidéo Batman sur console. Voilà. Et ce qui serait encore mieux, c'est que l'histoire serait chronologique. On commence avec Batman jeune. Et qu'au fur et à mesure des épisodes, en fait, il y a des choses qui se passent, genre recrutement des Robin, formation des Robin, etc., etc. En fait, ce que je voudrais dans la prochaine saga Batman en jeu vidéo, c'est qu'on en voit un peu plus, tout simplement. Parce que là, il y a eu 4 jeux, mais on n'a rien vu. On n'a pas vu les Robin se faire recruter, se faire former, on n'a pas vu la transformation double face, on n'a pas vu... Il y a plein de choses qu'on n'a pas vu, et le peu qu'on a vu, c'était des flashbacks. Du genre Barbara Gordon qui se fait agresser par le Joker, c'était en flashback. Donc c'est naze, ça retire de l'intérêt en fait, une narration en flashback. Donc c'est aussi pour cette raison que la saga cinématographique de Zack Snyder commençait très mal. Parce que dès Batman et versus Superman, on t'expliquait que tout ce qui allait être intéressant dans la mythologie Batman serait passé en revue façon flashback. Donc non, c'est pas le genre de truc qui me plaît pour le coup, moi personnellement. Ok, donc là on a un détecteur. Il y a combien de mecs là sur cet anneau là circulaire? Un anneau c'est forcément circulaire, me direz-vous. Ce à quoi je répondrai tout à fait Thierry. Il n'y a pas d'élimination sur rebord. Ça fait avoir par le fantôme il y a quelques jours. Sérieusement les gars, vous me saoulez avec vos histoires. Ah, je prends un risque parce que je sais pas ce qu'il y a de l'autre côté. Ah là, j'y suis alors en mode full risque. Tac. Efficace ce petit Robin. Nous incarnons donc Tim Knight, comme vous l'aurez compris, troisième Robin canonique. Probablement le moins intéressant. C'est pas que celui que je déteste le plus, c'est Damien. Allez, si tu veux jouer à ça, celui que je déteste le plus, c'est Carrie Kelly. Mais Carrie Kelly, c'est pas un Robin canonique, hein, c'est juste. Elle est apparue une seule fois dans un one shot, enfin dans un what if, donc au final, on s'en fout un peu. Tu crois pouvoir m'échapper? Ah, il y avait une multi-élimination par intimidation. Je suis déçu de ne pas pouvoir la faire. Il va être un peu loin l'autre. Ok. Ouais, il était un peu loin. Continue de nettoyer la pièce. T'es sur la bonne voie.
Ouais, je sais pas combien ils sont encore les gars, mais j'ai toujours pas éliminé le... Il est juste là, putain. Il est juste là, le détecteur. Merde, je peux pas ouvrir la porte pour neutraliser le mec qui est derrière. J'aime bien ce niveau, il est sympa. C'est très industriel et j'ai l'impression de jouer à Batman Arkham City. Mais pour le coup, c'est sympa. J'aime bien, je sais pas, il y a une architecture, il y a un level design qui est cool. Enfin, peut-être pas une architecture, mais un level design plutôt. Allez, je vais y aller maintenant. Dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Ah, j'ai eu le brouilleur. Juste là. Ah, c'est ce que je voulais faire. Allez, ça va arriver. Non. Ah, ils étaient peut-être trop loin pour entendre les coups. Je suis en train de me boire un bon petit vin rouge de Bourgogne. Ma patrie. Et je vous dis à la vôtre, chers Zing. C'est l'apéro. Nous sommes le 16 avril. C'est le 4e épisode que je tourne aujourd'hui. Bon, en fait, j'ai tourné DLC Catwoman, j'ai tourné DLC Red Hood, j'ai tourné DLC Nightwing, et voilà que je tourne le DLC Robin aujourd'hui. Après, c'est des DLC qui font 20 à 30 minutes maximum, donc c'est pas non plus. Est-ce qu'il y en a qui prend les escaliers ou est-ce que je peux y aller? Je peux y aller. Non, je pourrais pas dû y aller. Lui, il a pris les escaliers au dernier moment, ce connard. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, les mecs? Non, il m'a pas vu. Non, non, mais il m'a pas vu, hein. Bon, si tu veux, allez. Ah, elle est sympa celle-là d'élimination, quoi. J'aime bien. Il y a encore du monde, hein. 3. Mais de là, ça fait du people. Hop, on prend une paire de temps avec ça. Où est le dernier? Ok. Bon Dieu. J'aimerais tellement qu'il y ait l'action, tu sais, de lui mettre du tapoter avec le doigt sur l'épaule pour qu'il se retourne. Je ferai parler. Sérieusement? Quoi? Rien. Barbara, je te connais, t'as un truc à me dire? Non, mais c'est juste... Tu fais toujours le gentil flic d'habitude, non? Le gentil flic, hein? Ok. Où est-il? Comme si j'avais peur. Ok, ok, je vais parler. Il est dans le bureau central, juré. Pas mal, hein? Très effrayant, chérie. Du coup, chacun a son petit conseiller principal. Toujours à défendre la justice, hein?
Parce que Nightwing il se fait conseiller par Lucius, Robin par Oracle. Tu vois, il y a toujours un soin qui est apporté au décor dans les jeux Batman Arkham que je trouve vraiment super, surtout dans les Arkham, surtout dans Arkham Origins. Mais là, regardez, c'est sympa, quoi. Et je trouve ça dommage, vraiment, que dans trois quarts de ces putains de jeux, on ait à se balader dans des usines, comme vient de le faire, d'ailleurs, dans des espèces de centres de traitement, des usines, des machins. C'est trois quarts des jeux Batman, ça. Et ça m'emmerde. Parce que là, regardez, c'est sympa, on pourrait avoir des trucs beaucoup plus originaux, très jolis, architecturalement parlant. Il a défoncé les gars à l'incinérateur. Il veut choper Double Face. Ça veut dire qu'il va passer par là. C'est le seul chemin. S'il passe par là, il ira pas plus loin. En tout cas, pas vivant. Il a du cran, faut bien l'admettre. Tu parles délire, ouais. Après tout ce temps à suivre la chauve-souris, il se prend pour un caïd. Ouais, ce sera pas évident de remplacer ce psychopathe. Je pourrais faire une multi-élimination, mais c'est signé mon arrêt de mort avec les tourelles. C'est triste pour lui. Sérieux ? Là derrière, je peux l'éliminer. Et ça, c'est un truc qui ne s'active pas au bâtard, mais ça s'active à l'interaction manuelle. Donc il faut que je m'en rapproche. Vous pas, moi si. Ok, je vais étudier un peu les lieux, parce que là, ça a l'air assez complexe. Il a du cran, faut bien l'admettre. Tu parles délire, ouais. Après tout ce temps à suivre, la chauve-souris, il se prend pour un caïd. Ouais, c'est pas évident de remplacer. Comment ça va ? Lentement. Tim, arrête. Tu n'es pas comme lui. Tu peux faire mieux. Calme-toi, Barbara. Tu t'adresses à Tim Drake, là. Elle se prend pour qui, elle ? Tu peux faire mieux, mais ta gueule. Ah, c'est vrai que quand t'es en train d'attendre de te faire péter la gueule, parce que tu sais pertinemment que tu vas te faire péter la gueule, ça doit être assez stressant comme situation. Effectivement, je te l'accorde, l'ami. Ou l'ennemi, dirais-je même. Allez, montons. Sac d'attendre les largages de nourriture à Arkham City. Tu sais, j'ai tilté sur un truc l'autre jour. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé ? Stocké par terre. Reste près de la tourelle, ok ? On risque rien. Et lui, il risquait rien avec son minigun ? Le problème, c'est que je suis comment pour éliminer cette. Comment je fais pour éliminer cette tourelle ? Capteur hors ligne, mais les autres drones vont se réactiver. Je peux pas éliminer la tourelle ? Ah putain, relou. Non mais c'est pas possible. Comment je fais pour casser la tourelle, les gars ? Bon, à mon avis, il faut que je casse la tourelle qui est là et puis c'est tout. Celle-là, je peux pas la casser parce qu'en fait, elle est... je vais casser celle-là quand elle sera pas surveillée par l'autre, genre maintenant. Lâche-toi, hop, le gars prend zéro risque, voilà, tout simplement. Et puis celle-là, normalement elle devrait être brain, là, elle pourrait pas me, je pense pas qu'elle puisse me voir de là-bas, dans le doute. Oh, on leur crie dessus jusqu'à ce qu'ils se rendent. Très bien, monsieur l'ingrat. Je te laisserai Harvey en fond sonore si c'est comme ça. L'héritage de Batman. Un minable qui se prend pour un héros. C'est pas facile à péter ce truc. Ouais, c'est clair, tu l'as même pas animé. Va te faire foutre. Une poignée de Gugus. Un truc que je voudrais faire, c'est ça. Bon, ça sert à rien, mais... Ah non, ça marche pas. Très bien. Non, mais j'aurais essayé. Je teste des choses. Batman n'est pas là pour te sauver.
En tout cas, il est stylé son bouclier, Robin. J'aime beaucoup. Le mec, il continue la mission. Il se barre comme ça, tranquille. Allez, barrez-vous, les petits gars. Je vous laisse tranquille. Ah, la classe quand même. Non mais franchement, le bouclier là... Attends, il est où? C'est celui-là. La manière dont il se déploie, c'est ultra stylé. Tout, tout. En deux temps. Et je voudrais voir ce qui a marqué de l'autre côté. On voit pas. Ah, je peux pas voir ce qui a marqué de l'autre côté. Non. Oh putain, l'animation était... Oh, franchement, il est trop classe. Ça, c'est un des rares trucs que j'aime sur ce Robin. Ça, plus la coupe de cheveux. Alors. Apparemment, il y a Double Face qui se trouve derrière avec une arme. Donc, il faut que je trouve le moyen... d'ouvrir le portail. Le problème, c'est que ça s'active, ça, avec un shuriken. C'est marrant parce que le shuriken va dessus. Non, non, j'ai rien dit. Le shuriken ne fait que suivre la trajectoire donnée par la caméra, en fait. Je pensais que le shuriken allait directement sur les têtes, mais pas du tout. Pas que j'oublie qu'il y a une tourelle qui est encore active dans cette pièce. Il y a 4 visages blancs, 2 visages noirs. Et là, on a un dé avec 1 et 5. Donc peut-être qu'il faut que je shuriken le premier et le cinquième. Est-ce qu'il y a un rapport avec ce... Je pense pas qu'il y ait un rapport avec la vitrine que je suis en train de... Non, bah non, parce que c'est troupe, c'est mal fait, donc c'est que c'est pas ça. Y a pas une grille au sol ou un truc? Ah, putain, c'est électronique. Alors attendez, j'ai trouvé, c'est bon. Faut juste que... Je vais pivoter celle-là. Là. What? What, 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 what? Ah, voilà. J'ai trouvé l'ustensile à gérer. J'ai trouvé l'ustensile à utiliser, mais je comprends pas la manip là. Tout est bloqué. What? Qu'est-ce qu'on me demande de faire? Je comprends pas. Y'a rien qui m'explique. Oracle, aide-moi, oracle. Oracle, aide-moi, ben Dieu. Putain, c'est toi qui gère ce genre de conneries généralement dans le couple. C'est toi qui gère les papiers généralement. Alors, reprise. Écoutez, je suis clairement bloqué. Je viens de regarder sur internet. Et il se trouve que sur internet. Le mec arrive à activer individuellement. Les figures là. Et moi, ça ne marche pas. Donc je pense être victime d'un bug. Je vais recharger la partie pour voir. Alors déjà, si je sors pas le bon outil, ça va pas le faire. Ah, donc c'était bien un bug. C'est bien ce qui me semblait. C'était un bug. Et ben moi, la logique voudrait que. Hey,
Voilà, tout simplement. C'est bien. Attention le piaf. Tu m'as laissé gagner à la porte, hein. Ok, bouclier, il était déjà sélectionné, impeccable. Écoute, des types armés jusqu'aux dents, c'est ton domaine. Tu dois être blasé. Tu crois que je vais faire de la tête ? Ne parle plus, Barbara, si tu veux. En mission. Ne me parle plus. T'es pas humain ou quoi ? Mais what ? Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que le jeu m'avait encore niqué la gueule. Et on arrive directement dans le bureau de Darabé Dent. Allez, encore une séquence. Combat. Oh putain. Voilà, je voulais le gros impeccable. Les deux principales menaces sont neutralisées. Les deux principales menaces sont neutralisées. Oh non, c'est faux, je l'ai contré le mec, je l'ai contré 3 secondes avant. Qu'est-ce que vous me racontez comme connerie? Son putain de bâton, l'autre connard. Ah non, mais putain, mais pourquoi il saute? Pourquoi il le détecte pas, lui? Ça fait déjà plusieurs fois qu'il me le détecte pas, l'autre. Alors l'adolescent passe à l'âge adulte. Dommage que ses heures soient comptées. J'appelle pas ça du courage, tes petites actions, mais de l'idiotie. Tu n'es pas l'homme chauve-souris. Ni maintenant, ni jamais, Robin. Tim, prépare-toi. Désolé, petit. Tu ne t'en sortiras pas tout seul. Ramenons cette ordure au GCPD. On n'est pas près de voir la plage. Je me trompe. Notre lune de miel est terminée, Barbara.